ils enchaînent les projets. Depuis qu'ils ont annoncé leur intention de quitter la famille royale en janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle sont sous le feu des projecteurs. Leur interview choc accordée à Oprah Winfrey en mars dernier avait beaucoup fait parler d'elle, notamment à cause des nombreuses révélations concernant la famille royale. Par la suite, ils ont accueilli leur petite fille, Lilibet Diana, et ils ont pris un congé parental pour profiter pleinement de leurs enfants. Toutefois, il semblerait que le couple royal soit décidé à revenir sur le devant de la scène. Selon les informations publiées par People le 18 août dernier, ils vont ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Ils sont prêts à entrer dans l'ère de la visibilité, a confié Omid Scobie, l'auteur de la biographie Finding Freedom qui est proche du couple. Selon ses propos, le duc de Sussex et son épouse sont vraiment excités d'entamer cette nouvelle phase. Si est-il un couple qui s'en sort très bien dans ces moments d'interaction humaine. Ils doivent être sur le terrain, a-t-il conclu. Une visibilité de taille. Pour parvenir à retrouver cette médiatisation, le prince Harry et Meghan Markle ont souhaité signer un contrat avec Netflix, la plateforme de streaming américaine. Le but ? Produire une programmation qui élève et divertit le public du monde entier en embrassant notre humanité commune et en construisant une communauté à travers des expériences similaires, des récits puissants et des valeurs universelles, peut-on lire sur le site de leur fondation Archewell. Parmi les séries qu'ils vont produire, il y a Art of Invictus. Celle-ci sera un documentaire centré sur les jeux Invictus, compétition multisport pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. Un projet que le prince Harry est impatient de concrétiser. De son côté, Meghan Markle se consacre à Pearl, qui suit les aventures d'une jeune fille de 12 ans. Pour l'écriture de ce personnage, la duchesse de Sussex s'est inspirée de plusieurs femmes historiques. De nouveaux projets qui devraient prochainement voir le jour. Le prince Harry et Meghan Markle, qui ont-ils récemment embauché pour les aider? Afin de concrétiser leurs différents projets dans les meilleures conditions, le prince Harry et Meghan Markle ont fait appel à la productrice Nishika Kumbel. Elle va diriger toutes les productions télévisées scénarisées et elle travaillera en étroite collaboration avec Netflix pour produire un contenu divertissant de diverses voix qui informe, élève et inspire, peut-on lire dans une déclaration publiée sur le site de la Fondation Archewell. La réalisatrice a notamment produit plusieurs saisons de la série à succès FX Fargo et Légion. Elle rejoint donc Ben Browning, qui a récemment été embauché par le couple royal pour leur apporter son aide concernant leurs ambitions cinématographiques et télévisuelles.